Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. S'ensuivent 9 mois de drôles de guerre où les adversaires vont s'observer. Cependant, le 10 mai 1940, l'attaque allemande prend par surprise l'état-major français, qui voit l'essentiel de ses troupes enfermées en Belgique et dans la poche de Dunkerque. L'avancée rapide de l'ennemi vers Paris sème la panique. C'est la débâcle, et les populations civiles, en s'enfuyant, se déversent sur les routes dans la plus grande confusion, empêchant ainsi l'armée française de se déployer de façon cohérente. Devant cet effondrement général, abandonnant son allié anglais, le gouvernement français fait appel au vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, qui accepte un armistice le 22 juin.